Kafka qui whiff, 6-6-1 qui whiff encore une fois à cause de 4B, coup de merde. Chop en B qui passe, allez Kira, t'as deux barres, c'est le moment de faire des whiff punish mystérieux. BTB plus K fatalement, encore pas BTB plus K, non, chop. 2 KB, BE. Et Ran bat Kira, 3-1. Logiquement, la team d'Erwan a perdu. Tu m'envoies le prochain match, tu me dis qui c'est, le papier, tout ça, ouais. S'il te plaît. Alors, sur le chat, pour ceux qui ont regardé les différents matchs qui ont été streamés, quel est votre match préféré? Parce qu'il y a eu du lourd quand même sur le stream par moment. Il y a eu des phases cruelles. Le score ne veut rien dire, il peut y avoir des 2-0. Pourtant c'était serré. Ah, Géré dit aucun. Géré, qu'est-ce que tu fous là? T'es déjà rentré chez toi? 7 équipes? Ouais. 7 équipes. D'accord. Ah mais Géré, il est déjà chez lui quoi. des tournois solo, enfin tout court même, si vous voulez. Jusqu'à la fin, celui-là. Ouais, il veut pas rester jusqu'à la fin. Bah, je crois qu'il a trouvé un petit atard sur Paris, puisqu'il a pas pu rentrer aussi vite. Toi voilà. Bah, toi, tu dis. Vous étiez deux, avec Aïsona et toi. Voilà. Ah ouais? Voilà. Vas-y, à la prochaine. Alors, j'ai plus de micro. Nous avons la team Harryman contre la team Baldric. Deuxième demi-finale. La team Harryman, je rappelle, est composée de Bobby, Docteur Fetus, qui a battu Deus Kalia. Apparemment, ça a provoqué une grosse Ola en son honneur, attention. Sakon et Yota. Donc Harryman, Bobby, Docteur Fetus, Sakon et Yota. Contre Baldric, l'équipe de Baldric, avec Cop DT7, Jot, Coral et Saito. Saito qui jouait de Master. Hein. Tu regardais les mêmes joueurs? Hein? Je sais pas, peut-être. Alors on est parti. Qui joue pas trop close? Yota, je pense. Ça doit être Yota contre. Bah je sais pas qui joue Mitsu. Tu peux me trouver qui ça? Qui c'est? Pardon. Mitsu. Ouais. Donc Yota qui réduit les dégâts. Ah c'est Bobby en face. Ah non c'est Cop, excusez-moi, voilà pourquoi j'ai tendu en erreur. En fait c'est Bobby à droite de la team Harryman et à gauche Cop DT7 de la team Baldric. Cop qui mène 1-0. Alors Bobby qui devrait connaître quand même le match-up un minimum parce que son sparring partner essentiel est Kessona. Par contre il s'est mis au perso Yoshi, enfin il a repris il n'y a pas si longtemps que ça de ce qu'il m'a dit, enfin bon. C'est fréquent que les gens balancent des excuses de sac en prévention, vous savez. C'est genre, on sait pas ce qu'on va faire dans la journée, mais on balance les excuses d'ores et déjà. Du style, ouais, je joue avec une manette avec trois boutons, ou j'ai dormi une heure. Comme ça, on est safe. Si on gagne, c'est cool. Si on perd, mais j'ai dormi une heure, je l'avais dit. Ah, Bobby qui revient. Un round partout. Il a pas mal de ressources, c'est le moment de piffer des CE, c'est anti-step, piffe-moi une CE là, allez, il aurait pu le mettre, ça passait counter. 6-6-B, ça lunch, qu'est-ce que ça fait derrière, le classique. Ah, il veut finir sur un B plus K, hein. C'est genre il avait le choix entre B et 2 kicks, mais non, il fait B plus K. Just garde B plus K, mais qu'est-ce qui branle Cop, j'ai envie de l'engueuler. Putain, mais mets ton 2 kicks et barre-toi, putain, merde, voilà. On change de zone. Cop qui mène 2 rounds à 1. Bébé. Ah, 6-6 ABE qui touche avec follow-up 6-6 BB. A plus B, pardon. Oula, il y a un 8-8 A qui a été raté.